Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un jour, une technique, poser un water decal. Alors, les water decal, en fait, ce sont des sortes de tatouages pour les ongles. Vous allez voir qu'avec les water decal, c'est très facile de faire un eye art, une décoration d'ongles, sans passer par 10 millions de gris-gris. Donc, quand vous n'êtes pas forcément doué en eye art ou que vous n'êtes pas formé en eye art, pas d'inquiétude, les water decal peuvent vraiment vous aider à faire des jolis ongles et donc à contenter aussi vos clientes lorsqu'elles veulent des décos. Donc dans un premier temps, j'applique du gel couleur sur l'intégralité de mon ongle. Après, peu importe la technique que vous faites, vernis semi-permanent, gel ou French en reverse, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Je viens sceller ma couleur, je catalyse. Et donc alors par contre, quelque chose d'important pour la pose du water decal, il faut que vous ayez dégraissé votre ongle et que vous passiez un coup de bloc blanc pour venir le poser sur une surface rugueuse mate. Voilà. Là en fait, normalement, lorsqu'ils sont tout neufs, vous avez un petit plastique transparent par-dessus, vous l'enlevez, vous découpez votre petit water decal et vous allez le mettre à tremper dans un peu d'eau. Alors, il faut bien un pouf. Bien 30 bonnes secondes pour que votre water decal puisse se décoller de son support. Donc moi, je vous propose de commencer à mettre les water decal à tremper dans l'eau pendant que vous dépolissez vos ongles par exemple ou que vous faites autre chose à côté, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ils sont un petit peu longs à se décoller. Alors ensuite, on attrape son petit water decal, alors avec une pince à épiler ou une pince à pincher, peu importe, ou une pince, hein, voilà. On vient le poser tout simplement sur l'ongle. Alors, vous le positionnez là où vous voulez, hein, vous pouvez mettre plusieurs water decal sur un ongle, c'est pas grave. Et alors, par contre, ça c'est très très important. Vous prenez un coton sec et vous venez tapoter délicatement votre water decal afin d'enlever l'excédent d'eau et que celui-ci reste bien sur l'ongle et adhère complètement. Voilà. Ensuite, vous pouvez tout à fait harmoniser avec une petite déco si par exemple vous souhaitez venir rajouter quelque chose. Sinon, vous pouvez venir ajouter un autre water decal qui pourrait se complémenter à celui-ci. Voilà. Il n'y a pas de limite avec les water decal. C'est vraiment une solution rapide de décoration. Et puis bon, ben, en général, c'est aussi plus simple parce que des fois, les clientes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent comme décoration. Là, vous leur montrez vos petites planches de water decal, vous leur proposez des dessins et puis en général, elles arrivent à choisir assez rapidement. Là, je vais rajouter les petits points. Après, j'agrémente un petit peu mon dessin parce que bon, moi, je trouve que ça fait un tout petit peu vide. Mais vous n'êtes pas obligé. Ici, j'utilise un gel peint pour ma déco. Donc, une fois que je vais avoir terminé, je vais catalyser celui-ci 30 secondes sous UV LED. Maintenant, j'applique ma couche de gel de finition. Je vais catalyser deux fois 60 secondes. Et voilà, votre ongle est terminé. Alors, c'est sympa le water decal. À demain.